Salut, comment ça va? Par ici! Content que tu sois là. Tu vas m'aider à cuisiner. Y a quoi au menu? Un jambalaya. Vas-y, tu peux touiller la viande. La viande de soja. Ok. C'est peut-être mieux que ce soit Joss qui t'aide. Joss a fait sa part du boulot. Allez, chope une cuillère et touille. C'est la recette secrète de la famille Ward? Hein? De l'oignon, du paprika, du thym. Faut encore que je coupe du céleri et de l'ail. Toi, tu touilles sans t'arrêter. Ok? Tu touilles. Je touille. Tu vas manger le meilleur jambalaya de ta vie. Comment il va? Il se remet tout doucement. Mais physiquement, ce sera long avant qu'il s'en remette complètement. Et mentalement, il a vécu un truc horrible. Je sais que c'est dingue, mais ce qu'Aris lui a fait, ça va peut-être l'aider au final. Je me trompe peut-être, mais c'est comme s'il repartait à zéro. T'es sérieux? Je pensais que tu rigolais quand t'as parlé de cuisiner. Que ce serait Joss qui serait au fourneau pendant que... Quoi? Joss, elle y connaît absolument rien en cuisine. En fait, j'adore faire la tambouille. Et j'ai pas eu trop l'occasion ces derniers temps. Je voudrais pas gâcher cette journée, mais... Je veux savoir, t'as fait quoi de Peter Pan? Tu veux savoir si je l'ai buté? On en parle plus tard, ok? Ok, pas de soucis. C'est juste que... Tu sais... Je sais. Ok. T'as assez touillé, je crois. Tu peux aller me chercher le riz dans la cuisine? Oui, chef. Non, Randy a toujours été comme ça. Mais ça a pas dû aider. Tu sais, son père était compliqué, lui aussi. C'est ce que je leur ai dit. Mais c'est toujours la même rengaine. Tout le monde s'en tape des gamins qui rentrent pas dans le moule. Mot pour mot, ouais. J'avais envie de m'arracher les cheveux en les écoutant parler. Tu sais où je peux trouver le riz? Je te rappelle plus tard. Du basmati, super. Ensuite, les tomates. Vas-y, tu peux verser le riz. Riz versé, chef. Maintenant, faut laisser mijoter. On va dans la cour. Prends une chaise et une bière ou ce que tu veux. C'est sympa ici. Ouais, j'ai l'impression que... qu'il s'est jamais rien passé de mal. Alors vas-y, parle-moi d'Aris. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il est toujours dans le coma? Ouais. Dans un genre de sommeil entre la vie et la mort. Une coquille vide sur un lit d'hôpital. Une balle dans la tête, et ça aurait été réglé. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement facile. J'ai mis le flingue sur sa tête et... je me suis souvenu d'un truc. River? De la mort de mes parents. Tu veux vraiment que je t'en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père avait une ferme, comme celui d'Aris. Quand ça a été plus rentable... mes parents ont réussi à ouvrir une petite épicerie. On vivait juste au-dessus. Une nuit, on s'est fait réveiller par un bruit. Ils voulaient du cash. La caisse était vide. Alors ils sont montés à l'étage. Ils nous ont tous mis à genoux. Et ils ont demandé à mon père où était le fric.
River, tu peux t'arrêter là. T'aimes pas les histoires tristes? C'est pas ça. Je vois bien que c'est dur pour toi, alors... Pas besoin de ressasser ça, maintenant. Ok, ouais. T'as sûrement raison. Mais... Pour Harris, t'as fait quoi? T'as mis ton flingue sur sa tête et... J'ai buté pas mal de gens dans la police. Mais... jamais comme ça, via une exécution. Je me suis tiré de l'hôpital, en me disant que l'affaire était résolue. Ok, mais tu vas faire quoi? Tu vas pas retourner dans la police? Je pourrais faire... détective privé? On verra. On verra bien. T'as dit que tu jouerais avec nous. T'as promis. D'accord, d'accord. J'arrive. V, tu vas venir? Alors, on joue à quoi, tonton Ward? Tu verras. Dorian, on joue! Ouais, à panique à Haywood. Prends ton équipement. Alors, t'en dis quoi? Ça devrait être amusant. Hé, hey, elle est pas mal, cette arme. Essaie de rester concentré. Cette vermine doit pas nous échapper. Qui? Oh, quelle allure. V, je te présente le capitaine Joan McLean et le lieutenant Henry Callahan. Ce sont les meilleurs éléments de notre commissariat. Mieux vaut ne pas se les mettre à dos. Je travaille toujours tout seul. Pas d'exception. Même pour toi. Ouais, pareil pour moi. Oh, j'ai entendu parler des flics comme vous, des loups solitaires. Ouais, une vraie plaie pour leur commandant. Des rebelles qui suivent leurs propres règles. J'ai été suspendu une fois, pris ma retraite deux fois, et viré de la police trois fois. J'ai passé l'âge pour ça. Mais il y a toujours un truc qui te fait revenir. Cette ville a besoin de moi. Vous m'expliquez vite fait, y a quoi à savoir? Toute la ville est gangrénée par le crime et la corruption. L'anarchie règne dans les rues. Nous non plus, on n'est pas des saints. La police aussi est hantée par les péchés du passé. Mais cette ville n'a plus d'espoir. Personne d'autre n'oserait affronter El Chamuco Endiablado. Ah ah, c'est le pire. Mais je sais qu'on peut le battre. Le criminel le plus maléfique de la ville. Allez, c'est parti. D'accord. Maintenant, on doit juste localiser El Chamuco Endiablado et éliminer ses sbires en chemin. Il va payer pour ses crimes. On joue en deux équipes, les enfants et nous. Mais on a le même objectif. L'équipe qui fait le meilleur score gagne. Vous avez aucune chance. Dive, vas-y mollo, ok? C'est leur jeu préféré. Dak. Il est là, chope-le! Cette ville m'appartient! Vous me la prendrez jamais! Il est rapide, mais pas assez pour échapper à la justice. Attention, voilà ses sbires. Prends ça. Encore, on en refait une. Par là. Ça doit être leur planque infestée de rats. Ça sent la déchéance morale à 1 kilomètre. C'est calme. C'est trop calme. C'est un piège! Ils nous attendaient! Hé, moi je vise mieux! C'est trop long! Touché! Il est touché! Ah! La partie, petit! Touché! Il est touché! Bon, on les a tous eus, mais il faudra être plus rapide la prochaine fois.
Écartez-vous. Entravez l'action de la justice et puni par la loi. Attention, dernier avertissement. Et calme, capitaine. Je vais passer. C'est trop long. Tu manges. Prends ça. La partie est pas finie. Ne fonce pas là-dedans, Callahan. Je peux pas me permettre de perdre un de mes meilleurs hommes. Ne t'en fais pas pour moi. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Mais c'est pas encore terminé. Pas de dernière parole. Bien. Vas-y, sale ordure. Je veux te voir supplier. Non. Vos dernières paroles. Oh, c'est pas vrai. Encore une embuscade. Allez, maintenant! Le repas est prêt. Maman, on l'avait presque! Eh ben, vous l'aurez la prochaine fois. On a battu les grands, au moins. On est les meilleurs! Merci de les avoir laissés gagner. Ils se sont bien amusés. Non, c'est des chouettes mômes. Y a pas de quoi. Je crois qu'ils t'ont à la bonne, maintenant. Tout le monde à table. Alors, cette partie, c'était bien ? Génial ! Ha ! On les a écrasés ! Les méchants ? Hein ? Ah, ouais ! Les méchants aussi ! Ça sent bon, mais j'attends de voir le goût. Ça te réussit bien, le chômage ? T'as l'air en forme. River découvre les joies de la vie de famille. Famille et police, ça fait pas bon ménage. Je rattrape un peu le temps perdu, on va dire. Ça faisait très longtemps que... je l'avais pas vu aussi serein. Et toi, V, t'as une famille ou quelqu'un de spécial à qui tu tiens ? J'étais nomade avant, mais... ma famille a éclaté. Enfin, c'est vieux tout ça. Mes gamins, c'est ce qui compte le plus pour moi. J'ai fait des erreurs, j'ai dérapé dans la vie parfois, mais mes gamins, y a que ça qui compte. D'ailleurs, dommage que Randy soit pas là. Il sera bientôt là. Randy adore le jambalaya. Joss. Tu crois que je ferais un bon père ? Regarde-moi, j'ai pas une tronche de mère parfaite, tu sais. Alors... Oui ! Qui dit oui ? Moi ! Il a levé la main aussi ! V, tu vois quelqu'un en ce moment ? Allez, raconte. Bon, ça suffit. On a 1199, officier en difficulté. T'en fais pas, je vais te sortir de là. Merci, Joss. Ouais, merci. Oh, la situation commençait à dégénérer. C'est à ça que sert un équipier. T'étais vraiment à deux doigts de taper tous les albums photos, là. Ça t'évite de devoir faire la vaisselle. Allez, à vous. Pas faux. Ce qui fait deux raisons de se barrer. On y est. Ok, qu'est-ce que c'est ? Un château d'eau. C'est super ici. Super pourquoi ? Pour boire un coup et bavarder. Par ici. Oh merde. La grille est encore coincée. Faudra la réparer un jour. Je vais t'aider.
Tu passes par-dessus et tout de l'autre côté, ok? Bon, ok, d'accord. Suffit de pousser. Ok. Allez, on y va. C'est pas mal ici. C'est pas époustouflant, mais... ça en jette un peu quand même, non? C'est pas Corpo Plaza, c'est sûr. Non. Mais on vit bien ici. Il y a pire comme endroit pour élever des gosses. Et les problèmes de délinquance de Randy? C'est pas sorti nulle part? Ouais. Mais il tient ça de son père. Il aurait fait des conneries dans un quartier plus tranquille aussi. Il paraît que c'est la pire ville entre l'Atlantique et le Pacifique. Mais j'adore cette vue. Je trouve ça apaisant. La vue est extra. J'avoue, c'est très sympa. Ouais. J'ai quelque chose pour toi. Waouh. C'est en quel honneur? Je vais boucler un chapitre de ma vie. Ce truc me rappelle trop de souvenirs. Il me freine. T'en feras meilleur usage que moi. Merci. Promets-moi juste de pas t'exploser les orteils avec. Pourquoi les orteils? Le mari de Joss s'est fait ça. Il était bourré. Juste là où t'es. Ah, je vois. C'est pour ça que t'aimes bien venir ici, alors. On peut dire ça comme ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Tu veux un verre? Je suis pas contre un petit remontant. Ah, là tu me fais plaisir. À Joss et aux enfants. Ouais, à la famille. Et il t'en reste encore ? Deux bouteilles de whisky et une caisse de bière, ça devrait le faire. Pas sûr, on verra. Alors accroche-toi à ton foie. La nuit va être longue et la matinée encore plus. Coloniser la Lune et on n'est pas foutu de soulager une gueule de bois. Au moins, on s'est bien amusé hier. Ouais. Mais je dois filer. J'ai promis à Joss de l'emmener voir Randy. Bon, y a rien qui presse. Prends tout ton temps pour récupérer, si tu veux. Dis à Joss que... je m'excuse de m'être barré avec toi juste après le dîner. Et d'avoir gerbé à côté des chiottes. Oh merde. T'es sûr que tu peux conduire? J'étais dans la police. Je suis un pro de la gueule de bois au volant. Ça va le faire. Dis bonjour à Randy. J'y manquerai pas. À plus, V.
Bonjour. Je vous dérange pas, j'espère. Le générateur, tu te souviens, hein? Oh merde. Faut que je le répare maintenant? Oui, maintenant. Ensuite, on va à l'hôpital. Je préfère que tout soit prêt pour le retour de Randy. Qu'est-ce qu'il a, le générateur? Je sais pas, mais on n'a plus d'électricité. Il faut faire le ménage dans sa chambre. Et c'est moi qui dois le faire? Je sais que t'aimes pas ça, mais juste cette fois, ok?